Non, un truc, vraiment le truc le plus cher, non, ça reste un bracelet, hein. Genre un truc qui dépasse les 100 euros, non, jamais. En vrai, jamais, jamais, jamais. Même en fringues, jamais. T'as jamais dépensé 5 € dans les fringues? Pour une meuf, non. Ah, et pour toi? Pour moi, le truc que j'ai payé le plus cher dans ma vie? Une voiture. Je crois que c'est tout. C'est la Twingo? Ouais. Mais le Combien? deuxième, après, le deuxième truc le plus cher, si tu veux, c'était mon iPhone rouge. La Twingo, c'était combien? J'ai payé 4000 euros, frère. Mais Et non. je te cache pas que ça fait mal, hein. Fallait Je l'ai qu'elle se soulève, payé. Mec, je l'ai tu payé aux enchères. Genre, quand j'ai vu la Twingo passer, parce que tu sais, les ventes aux vois. Aux enchères enchères? voitures. Ouais. Mais mec, ça existe, c'est connu en France, ça. Genre, t'achètes. Tu sais, c'est dans les. Sérieux? La La Twingo, Tu sais, c'était c'est combien? des Twingo, ventes ça. aux. En fait, les ventes aux enchères, c'est des voitures qui. Enfin, c'est l'État qui revend des voitures. Pas braquées, mais genre. Qui récupère quand il y a des. Quand il y a des. Quand il y a des fast. Comment on appelle ça? Tu sais, les trucs. Des go Les go fast? fast, voilà, les go fast, des voitures Volé. qu'on récupère, des voitures volées ou des voitures étrangères qui font Mais des go fast et des non. voitures en dépanneuse. Et du coup, l'État revend en vente aux enchères et c'est des défilés de mort, genre, des défilés de mode, pardon. Et genre, les voitures, elles défilent sous tes yeux. Et Et les gars, toi t'as et eu la moi, j'ai, Twingo, t'as eh mec, quand hurlé. la voiture, elle est Quand il y a passée devant Twingo, moi, il j'ai s'est levé écouté la un. main, j'ai dit, moi, j'ai dit 4000, eh mec. Eh gros, non j'ai pas dit 4000, non j'ai au début Salut. j'ai dit 3000. Le mec il a dit qui dit mieux, qui dit mieux. Et il y a un fils de pute, il a dit 3500, j'ai dit ah fils de pute. Et après j'ai dit 4000, j'ai dit ah ouais j'espère que personne va surenchérir. 4000 une fois, 4000 deux fois. Et allez hop j'ai payé la Twingo. La Twingo. Là mais c'est une Twingo 2, après on était en reste de voiture frère, enfin Oh, c'est je pas. suis mort. Il nous Oh, je fallait une suis mort. voiture. Non, mais attends, t'as levé la main pour une Twingo. Bah une Twingo 2 frère. Après c'est une Twingo 2 toute option. Enfin moi j'aime bien, hein. Ma voiture elle est nickel hein. Il a fait une Twingo. Il est allé moi avec son chèque de 4 000 € dans les mains. Non en fait la Twingo je l'ai payée 3600 euros. Mais il fallait 400 euros parce que je crois que c'est l'État, ils prennent un pourcentage, je sais pas quoi. Donc voilà. Oh putain. Plus, l'année dernière, ce que vous savez pas, la cerise sur le poulet, c'est qu'il voulait teinter ses vitres. Il s'en souvient, Oui, je me rappelle, je me rappelle, je me il s'en rappelle. souvient. Il voulait Non, faire vite. en vrai, je voulais vraiment le faire, Il est mec. venu me Hein. chercher, il est venu me chercher à Paris, il m'a emmené regarder le match de foot Portugal-France dans la Twingo. Ah ouais, Il y en c'est a un mec qui vrai. faisait, hey, Douf là, tourne à droite. Ah oui, mon GPS. Ah mon GPS, c'était la voix d'un gosse. Eh, c'était trop marrant, ce GPS, mec. C'était un gamin qui visait, prends à gauche, prends à droite. Alors qu'il avait fait une action de quelqu'un de prématuré en levant la main pour acheter sa Le Twingo. GPS il a dit dès qu'on arrive il a dit hey, on est bientôt arrivé. j'avais le meilleur GPS de France frère. Il a fait une vente aux enchères pour une Twingo, c'est stylé Bon ça. Twingo, mais oula, j'ai jamais entendu ça Non en vrai, non en vrai la, non en vrai les ventes aux enchères c'était pas des. En Il vrai la s'est plupart. battu pour une Non mais en Twingo. vrai genre 80% des voitures c'est soit des familiales, soit c'est des BMW frère, et soit c'est des Mais Twingo. Non, ça c'est des camions. Genre des. Pas des. Des Que des camions. camions. Non, mais c'est des camions du marché, genre les grosses camionnettes, Oui, quoi. des camionnettes, des Mais genre, camionnettes. mec, c'est 80% des véhicules comme ça, hein. T'as très peu de citadines en fait. Oh là là, T'as très peu de putain. citadines, très peu. Il a dit. Mais je Ah, c'est un l'imagine trop. Mais je expérant. l'imagine trop. Parce que déjà, il a dit il y avait un défilé de voitures. Alors ça me tue. Mais mec, la vie de ma mère, c'était genre défilé de voitures, frère, Il c'est passait à mais. combien? Elle passait à combien de À 20. kilomètres heure, la Twingo? À 5 km/h, oui. Et genre, t'as levé la main, elle a mis un coup de frein à main. Mais non, il défilait. Mais non, mais espèce d'imbécile. La voiture, elle défilait. La voiture, elle s'est arrêtée. Elle restait 5 secondes. Est-ce qu'elle faisait R2, L2 pour tourner sur soi-même? Non, en vrai, c'était vraiment marrant. Non, il y avait là les bagarres, mais genre, c'était vraiment marrant, quoi. T'étais avec qui? T'es avec ma daronne et un pote. Non mais mec, non mais tu sais que Donc moi là, j'ai il a vraiment. dit, c'est la bonne! Non en vrai mec, non ça, je suis très sérieux. Mec, je suis allé jusque dans le 7-7 pour aller chercher la voiture. Et je me suis dit, non mais gros, écoute. Je me suis dit, je repars pas sans une voiture. Non franchement, je repars pas sans une voiture. J'avais un budget, mec, j'avais un budget de 5000 euros. Je me suis dit, non, je veux une voiture. Je veux une voiture, frère. Je veux une voiture. Il avait la Twingo, c'était son coup de cœur. Mais oui. C'était son coup de cœur! Mario, premier regard!
Ouah, il a parlé de cette émission, il est sérieux. Oh putain. Il n'y a pas de l'eau là, je peux plus. Il a acheté Twinkos en chair. Ah oh, mec. En vrai, non, c'était moi, je suis fier de ma voiture. Je suis pas de la voiture. Bon, on m'a un peu volé. On m'a volé mes enjeux d'hiver, mais certains, comme on dit. En plus, je t'ai dit, mais il dit. On m'a volé mes enjeux d'hiver. Je vais pas dormir. Des enjolifeurs, ça s'appelle des enjolifeurs. On te les a volés, on te les a volés. Qu'est-ce qu'il dit? C'est vraiment des clochards à sorcier qui volent des enjolifeurs, gros. Des racailles t'ont volé des enjolifeurs. Hey, t'es fou, j'avais seum, tu te rappelles quand je l'avais tweeté et tout, j'ai dit ah putain. Oh, il était pas bien. Je me suis fait voler mes enjolivants, les gars. Oh la bidouille. J'ai des muscles qui poussaient à la tête tellement je rigole. Il a tué tes muscles. Mais rigole, lui aussi. Il parle de ouf. Il fait pleurer ce bâtard. Oh, c'est un joli peur. J'en veux plus. Il a annoncé ça comme quand il a perdu Mystigri. Il était blasé. Tout à l'heure, il a pleuré pour Mystigri, putain. Alors qu'il a fait une vente aux enchères pour Utingo. Elle était le meilleur. Elle était le meilleur. En plus, quand il a raconté ça, ça se voit, il était à fond, il a tout donné quand il a raconté. Lydie, il se rend même pas compte que qu'il y avait 18 000 viewers qui le regardaient commenter un match alors qu'il avait acheté une Twingo aux enchères, cet enculé. Y'a personne qui s'en doutait. Les gens voyaient caster, ils disaient lui, c'est sûr, il voulait un gros gamos. Bah, moi j'aime bien la Twingo, frère, moi honnêtement. Ah, si c'est pas... Heureusement, tu l'aimes bien, t'as tout donné dessus. Hey, si j'ai pas levé la main, c'est pas pour rien, frère. Hein. Non, en fait, non, ma prochaine voiture, ça va être une DS3. Est-ce que t'as levé la main comme si tu connaissais la réponse à la question du professeur? Non, voilà, c'est pas drôle, ça, par contre. Voilà, c'est pas drôle, là, je t'ai ouais, il a calmé sec. Putain, y'a même pas de combat, là, on rigole, mais on fait rien. Hein. Ah, c'est pas grave, vous, là, c'est pas grave. Ah ouais, c'était drôle. Ouais, c'était très marrant. Ah, cette anecdote de la Twingo, oh mec. Oh là là. Mais pourquoi tu voulais teinter les vides de cette Twingo aussi, lui? Mais je voulais... Non, mais en vrai, je voulais vraiment teinter. Genre, c'était vraiment un... Il a teinté. En vrai, avec le rouge... En vrai, non, la voiture, elle est teintée ou pas, Mehdi? Il était sur lui. Non, moi, elle est pas teintée. Elle est pas teintée. Tu veux pas la teinter? Bah si, mais moi, ça fera bien teinter. Ah, oui, tu vois, tu veux la teinter, sale chien. Ouais, mais je peux teinter que derrière, donc ça m'intéresse. C'est quoi ta Twingo? C'est une Twingo. Par contre, c'est pas une Twingo salope, hein. C'est la Twingo de toute option. Hein. Il a dit c'est pas une Twingo de salope. Elle croyait pas j'ai acheté une voiture de salope aussi, les gars. Respectez-moi. Oh là là, alors là. Ah ouais, respectez-moi. Moi, j'avoue, je l'ai vu. C'est pas une voiture de salope, c'est une voiture de dofla. Oula, c'est genre cause. Bah, j'en dirai pas plus. C'est le patard, c'est genre cause. Toute option. Mais est-ce que quand la voiture allait passer, genre, il y a un petit mec qui disait et voici la nouvelle Twingo 404 numéro 2 avec l'option clim, nanana, nanana. Ouais, nanana. Mais le mec, il a dit ça. Comment on appelle les mecs qui font les enchères là? C'est un métier, je crois, c'est commis surprise. Non, je sais pas ça, non, je vais dire de la merde, je pense. Et genre, t'as levé la main, y'a un mec qui l'a tapé avec son marteau. Ouais. Mais non, mais mec, c'est très sérieux, les mecs, c'est un truc comme une vraie vente aux enchères, quoi, c'est très sérieux. Attends, je vais te drop le lien parce que. Mais tu t'es pas dit qu'il y avait un problème quand vous étiez que deux à lever la main pour la Twingo? Non, en vrai, y'avait du monde. Non, y'en avait trois. Ah, vous étiez trois? Y'en avait que trois. Mais mec, je t'ai dit, c'est genre 80%, c'était soit des camions, soit c'était des vraies voitures, quoi, genre des BM. Mec, en vrai, quand la BM, elle défilait, y'avait au moins 60 personnes qui levaient la main, parce qu'on était 700 dans la salle, mec, hein, c'était un vrai truc, hein. Et quand elle avait la BM, pourquoi tu me levais pas la main? Ah, c'était 10 000 euros, la vente aux enchères. J'avais 10 000, ouais, j'étais sérieux, quoi. J'avais 10 000 euros, frère. Non, c'était chaud. T'avais la moitié, tu disais, d'ici 2 mois, je fais des streams, si on fait pas mal de dons, je rembourse. Voilà, c'est ça. C'est ça, le site. C'est super connu, ce site, hein. C'est... Oh, la vie de moi. T'es fou, mec, quand la BMW, elle passait, mec, je baissais la main direct. Mais tu l'as levé même pas. Mec, je l'ai levé même pas, je radais mes yeux, ça défilait, c'est tout. Ta main t'interdisait de la lever. Oh, putain. Mais de flat, faut que tu fasses une vidéo où tu nous racontes cette histoire, hein. Ah ouais, c'est sûr, hein. Moi j'adore. Non, c'est des petites anecdotes que tu peux que sortir en stream. Après, c'est pour mettre la petite ambiance, ambiance tamisée, tout ça. Tu m'invites, tu me racontes l'histoire, je rigole comme un âne, tout le monde fait. Et puis c'est bon. Non, j'ai plein d'anecdotes comme ça dans ma vie. Il s'en est passé des choses dans ma vie. Oh là là, et la vie de moi, c'est... maintenant je suis content. Tu sais, j'étais énervé aujourd'hui, ma journée était nulle, mais là c'est. Mais bon, tech, frère, ça me fait plaisir d'avoir monté ta journée. La prochaine fois, je vois ta Twingo, je fais un bisou.
Non. Là, en vrai, je suis content d'avoir raconté ça, mais je suis pas content pour le Mistigri, voilà, c'est tout. Tu vas quoi, toi? Là, j'ai niqué l'ambiance. Pour Mistigri, là, il est trop content. 4000 euros, cette merde. Non, mais en vrai, non, mais par contre, là, mais les gars, vous faites les connaisseurs de voiture et tout, mais en vrai, une voiture. En vrai, une voiture, elle était occasion, mais tu sais, Mehdi, c'est une voiture qui date de 2012, mec. Elle avait combien de kilomètres? Elle avait combien de kilomètres? Mec, elle avait à peine 60 000 kilomètres, mec, hein, c'est normal. Non, j'avoue, ça va. Mec, non, 4000 c'est pas euros, cher, c'est pas cher, c'est pas cher. Non, en vrai, la non, vraie, c'est non. juste parce que quand tu dis Twingo, ouais. Tout le monde pense oui, à la première Twingo. Tu l'as raconté aussi, ça se voit, t'as mis tout ton cœur. Ah ouais, franchement, t'étais tellement heureux. Le vrai prix, les gars, c'est 3600 euros. C'est juste les 400 euros, c'était une taxe. Parce qu'ils prennent une taxe sur les enchères de l'État et c'est juste ça, en fait. Mais quand tu racontais, je te revoyais debout au milieu de toute la foule et la Twingo qui défilait comme un mannequin. Par contre, no joke, Mehdi, il y avait voilà les bagarres. Par contre, c'est des trucs, c'est une frappe. Même ma mère, elle était choquée, mec. Hein. Et c'est vrai qu'il y avait... Ouais, parce que, mec, oui, par exemple. Il s'est tapé pour sa Twingo, ça rigole même non, pas. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a des vigiles. Genre, il y avait au moins 10 vigiles dans la salle parce que, genre, comme les BM. Genre, il y a beaucoup de personnes qui veulent des BM. Et tu sais, le mec, je sais pas si on appelle ça commissaire, j'en sais rien, mais genre, le mec, quoi, il faisait. 3000 euros une fois, deux fois, tu vois, il fait une fois, deux fois, trois fois. Et tu vois, le mec, il a pas le temps de surenchérir. Et le mec, il commence à dire, ouais, mais j'ai surenchéri, ouais, nique ta mère. Et tu sais, il commence à se battre et tout. Non, mais mec, c'est. Mais en fait, non, mais le commissaire, c'est un FDP quand même. Parce que quand il dit une fois, deux fois, trois fois, il le fait rapidement, tu vois. Mais il fait ça pour que les gens, ils surenchérissent tout de suite. Non, mais rapidement, parce que le mec, il a au moins. Mais mec, j'ai pas rigolé, il y a au moins 300 voitures à défiler, le mec il a pas son temps, quoi, tu vois. Genre, le mec, il fait ça rapidement. Mais 300, t'as vu la Twingo, ça y est, t'as flashé. Eh hey, mais c'est un ouf lui, en plus elle est rouge, mais c'est normal, il a flashé, elle est rouge sang. Elle est rouge sang la voiture, oui. Pour 4000 euros, tu as une Audi, bah t'es une Audi avec 200 000 euros. En vrai, la tête de ma mère, il y avait des citadines, mais elles étaient blanches. Tu sais, c'est les voitures de professionnels, tout ça. Je dis, mais c'est une couleur dégueulasse, une voiture blanche. Et j'ai dit, nique ta mère. Ouais, et quand j'ai vu le rouge scintillant, j'ai dit, allez, je lève ma main direct, frère. Et le mec, il a commencé à décrire la voiture, j'ai dit, il a commencé à dire, toute option. Et mec, dès que j'ai entendu le mot clim, j'ai dit allez, je lève ma main. Clim! Clim! J'ai dit allez, je lève ta mère, maman. Oh, c'est un malade. La clim, elle a fait la diff. Eh mec, j'ai même pas entendu le mot matisation, j'ai entendu clac! Heureusement, le commissaire Moulin, il a dit clim, sinon il serait pas en Twingo aujourd'hui. Commissaire Moulin. Il serait à pied. Ils seront en métro. Ah oh, mec. Il y avait plein de voitures flinguées par contre. Ils vendaient même des voitures cassées, mec. Genre c'est. Genre la dépanneuse, elle défilait avec la voiture cassée, frère. Non mais c'est pas des voitures random, c'est des BMW fracassées, mort. Mec. Oh, genre, c'était... Et qui c'est qui a acheté ça? Il passait avec les mecs non, qui vrai, étaient morts en vrai, aux accidents aussi. En vrai, ils vendaient la carcasse pour. Parce qu'en vrai, le moteur. La carcasse. J'ai l'impression qu'il parle d'un animal mort. Il revendait la carcasse parce que tu peux revendre la portière et tout. Et le moteur d'une BM ça coûte assez cher. Et la carcasse! Et c'est des. Et les BM ils ont pas des enjolivés mais ils ont des jantes. Donc les jantes tu peux les revendre. Et tu peux pas te les faire voler s'il y a des écrous. Voilà, c'est ça. Il y a des jantes. Mais mec, j'étais mort, mec. Je vois la carcasse. Je dis, mais ils sont sérieux à défiler des voitures avec des panneuses et tout. La carcasse! La carcasse! Voilà, c'est pour les pièces. Non, mais c'est normal, t'avais des voitures cassées, des camions, t'as vu la Twingo. Pour toi, c'était une féfé. Respectez-moi pas en gros. Parce que ta voiture, mec, te dépasse sur le périph', je te dis. T'as quoi comme voiture, t'as Médoche? Je te dépasse sur le périph'. Moi, j'ai une Polo. Vas-y, ouais, Médoche, raconte-nous ton achat. Pourquoi t'as flashé sur la Polo et tout? Ouais, mais moi, c'était pas comme lui, moi. Attends, mais c'est une Polo quoi? Parce que si tu me parles d'une ancienne Polo, je vais t'insulter par contre. C'est une Polo 2011-90 TDI. T'as 90 Polo 2011. Ah, t'as celle-là, bon, ok, ça va, c'est la même que mon frère. Non, ça va, okay. T'as une voiture de salope, okay. Ça va. Ok, garde-toi sur le côté du périph'. Ouais, c'est ça, ouais. Mais j'ai fait un traceur sur ma voiture et demande à ton GPS de me suivre, voilà. Ouais, il me respectait pas ce matin. Il me faisait si bien. Eh, moi, je suis un pilote, frère. Mais Miskin, je me rappelle, il m'a emmené. Sa voiture, elle lui réclamait une troisième, il reste en deuxième. Maintenant, il va plus se taper, il va faire des courses de voiture. Il en avait rien à foutre. On fait des vidéos sur YouTube d'office, ça a fini. Hier, il m'a proposé une bagarre jusqu'au 100. Ouais, hier, il voulait se taper, aujourd'hui, il fait une course de voiture. Merde, j'ai changé le record, attends. Ah, j'avoue, mec, depuis hier. Ah ouais, on va se convertir, hein. On fait de course sur le périph' pour avoir des go-fast, mec. Imagine. Mais mec, imagine, on se fait arrêter. On se fait arrêter par les flics et les gens, ils vont dire non, je le connais, lui, il est au d'office. Il va se faire arrêter par les flics et il y a un caméraman d'enquête d'action qui nous filme. Qu'est-ce qui
Qui dit lui? Mais je te jure, les flics, ils sont souvent avec des mecs ouais, embarqués. Vrai. Des caméras embarquées. Surtout sur le périph, surtout sur le périph. Ah, je suis mort, putain, il m'a fait pleurer ce matin. Et j'ai un muscle qui sort dans le cochon, mais moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, pousse. J'ai un muscle qui pousse dans le crâne. Je vais m'allonger dans le lit, sur le dos, je vais trouver mon oreiller. J'ai trouvé mon oreiller. Toujours dans l'excès. Ah putain! Ah, je suis mort! J'ai l'impression que j'ai quoi quand j'y ai mort! Oh, je suis mort, sa mère! Waouh, putain! Ah, j'avoue, l'anecdote de la Tingo, c'est trop! Je sais même pas pourquoi tu as pas pensé à essayer de percer avec ça! Mec! Oh. Ça je l'ai raconté, mais ça je l'ai même pas raconté. Mais je crois que c'est la première fois que je le raconte en stream. Mais en fait je le raconte en soirée et quand t'as rien à dire en soirée tu gères de la meuf avec cette anecdote, ça passe. Ah ouais, il fait le mec. Il fait le mec. J'ai la meuf en lui disant qu'il a levé la main pour une Twingo. Pour une Twingo. La meuf elle veut vite partir, hein, je te dis tout de suite. Il dit, ah va se dire, c'est impossible, il m'est fidèle, s'il lève la main pour une Twingo, il lèvera la main pour n'importe quoi. Ah, c'est bon, je me calme, j'en peux plus. Oh putain. Ah, j'avoue, c'est libre antenne ce stream. La bêta, elle est toujours en cours de démarrage. On trouve pas de colis sur officiel. Il y a pas de colis aussi. Ah, je suis mort. Je crois que ça va partir sur une nocturne PVP, hein. Genre, je vais manger, je vais peut-être faire un minuit, 2h du matin. Hein. Le stream de Samuel, ça devient automoto. Automoto, voilà. Et ça date, ça. Oh là là, c'était c'est pas le truc avant téléfoot ou après, je sais plus. Ouais, c'est juste avant téléfoot. Si, si. Pendant toute l'émission, ils te montrent que la voiture qui roule dans les montagnes. La voiture de Média, elle est mieux. Eh les gars, c'est pas parce que t'as mais une j'ai voiture. Mis, j'ai mis sur le chat les voitures. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ah ouais. Tant que t'es pas yep, attends ton bus, c'est tout ce qui compte. C'est vrai. Peu importe si t'es en Twingo 2. Bah, par contre, si j'ai une Twingo 1, là, tu pourras insulter ma mère. Ah là, mais là, j'ai une Twingo 2, donc ça va. Ouais, non, j'avoue, ça va, j'avoue, ça va. La Twingo 1, c'est des. Non, c'est ouais, Twingo 1, c'est. C'est là, je pense que j'aurais pu. T'es fou, là. Parce que si t'aurais levé la main pour la Twingo 1, là, franchement. Ouais, t'es malade, frère. Je pense que j'aurais pu te la baisser. En vrai, mec, il y avait aussi. Il y avait très peu de titanium. Il y avait la... Tu vois, c'est quoi la Twingo 3 ou pas, Medji? La ouais, troisième. C'est du papier mâché dedans, c'est chiant. Et le moteur, il est à l'arrière. Sérieux? Toi, je savais pas. Mais elle est trop bizarre, cette voiture, à l'intérieur, on dirait un jouet. Ouais, ça... mais moi, j'aime bien, là. Enfin, ça fait très meuf comme voiture, mais... Ouais, bon. De toute façon, t'as levé pour la Twingo 2, là, pourquoi pas pour la 3 hein. Oui, voilà. putain. Là, changer de voiture, mais je pense que ma prochaine voiture, ça va être dans 5-6 ans, je pense. Hein.